Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Deux bicoques avec six pièces chacune, servant d'hospitalisation des malades. Voilà l'image du centre de santé d'Oninga, en territoire de Walikale. C'est dans ces cases où se passent les soins des malades de cette localité de 11 000 habitants. Ici, les grabats servent comme lit des malades et d'autres dorment à même le sol, sur des nattes. L'infirmier titulaire de ce centre, qualifié ou pas, lui-même fait des interventions chirurgicales, faute du mieux. Car l'hôpital le plus proche se trouve à 8, voire 15 jours de marche à pied. La salle d'opération est dans ce vieux bâtiment en brique cuite, encore en chantier. Moi, je suis infirmier, oui, seulement qui est rodé dans la chirurgie. Donc, nous assurons tout. Des cas compliqués, on s'arrange de tout faire, mais quand nous trouvons que nous sommes loin de cette activité, nous le référons. Mais c'est plus rare. Bon. À 8 jours de marche. Donc les malades peuvent décéder même dans le cours des routes. Mais nous, nous nous rendons quand même de tout faire et Dieu nous aide aussi. Et ici, tel que vous venez de voir, c'est une institution tellement délaissée il y a longtemps parce que ça donc, se trouve loin des activités entières. Mais nous nous demanderons quand même qu'on puisse voir si le gouvernement peut voir comment nous construit quand même la maison qui admet quand même des conditions de santé. Ici à Oninga, les services de cet infirmier, appelé abusivement médecin par les habitants, sont appréciés par les bénéficiaires. Qu'il était venu justement il y a au moins 6 mois, je pense. C'est vrai, il y a 6 mois. Alors le médecin fait le traitement comme il faut. Au centre de santé, il y a des carences du médicament. Très cher aussi. Une fois, vous êtes hospitalisé oui. Ici, vraiment, le facture, c'est trop cher. Dans ce centre de santé, le laborantier utilise un microscope vieux de plusieurs années. Et seul, lui-même sait s'il donne le vrai résultat aux malades. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.